Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 6 décembre 1899. Extrait du discours au Congrès du président McKinley. Le gouvernement américain a maintenu une attitude de neutralité dans la lutte regrettable entre l'Angleterre et les États-bourgs du sud de l'Afrique. Nous sommes restés fidèles, dit le président McKinley, au précepte d'éviter des alliances embarrassantes sur des questions qui n'ont pas un intérêt direct pour nous. Le gouvernement allemand soutient le projet d'augmentation de la flotte devant le Reichstag en envisageant, dans l'exposé des motifs, l'éventualité d'une guerre navale entre l'Allemagne et l'Angleterre. En cas de guerre, la flotte allemande risquerait, dès le début des hostilités, d'être détruite par les forces anglaises, qui en outre bloqueraient les côtes et s'empareraient des colonies allemandes. Dans les cercles militaires de Londres, on estime que les véritables difficultés de la campagne ne commenceront que lorsque les bourgs inaugureront sur leur propre territoire la guerre défensive. On avoue maintenant la nécessité de réunir en Afrique 150 000 hommes, dont la moitié pour garder les communications, si l'on veut avoir quelque chance de succès. C'est 300 000 hommes que l'Angleterre devra trouver, enrôler, armer, équiper, instruire, transporter, puis nourrir, dans l'Afrique australe. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.